bonjour et bienvenue dans cette vidéo et ce live de Dark Souls 3. Où je vais tenter d'aller récupérer mes âmes si bêtement perdues. Ce trou mène dans le vide, on est d'accord. J'hésite limite à rush jusqu'à mes âmes en fait. Par contre, je vais clairement utiliser une braise. Ouais, comme ça j'ai toute ma vie. Quelqu'un d'intelligent l'aurait utilisé après avoir perdu de la vie, comme ça ça lui aurait régénéré sa vie qu'il a bêtement perdue. Mais je ne suis pas intelligent. Ça a failli... J'ai failli passer avec ça. Hein. Tu vas foutre. Tu m'as suivi ? Tu m'as suivi. Voilà. Cette fois, j'ai pas les focus parce que sinon, c'est la mort comme on l'a vu. Ok, lui, il est vraiment très con. Ou alors, c'est fait exprès comme ça, les gens qui le focus, bah, ils tombent avec lui. Je le servis dessus. Non, mais le dodge qui sert à rien. Il. Lui, il fait le coup de pied, mais même pour lui, hein, ça sert à rien. Ce coup de pied sert à rien. Enlevez-le, FromSoft. Même les ennemis essaient de le faire. Je suis sûr qu'il l'a fait sans faire exprès. Il sert à rien, ce coup. Sincèrement. Personne ne le placera jamais dans l'histoire de l'humanité. Il ne sera donc jamais utile. Par contre, je me demande si j'arriverai pas à les faire tomber. Genre comme des grosses merdes. Je reviens. Ils ont l'air un peu plus futés que ce que je pensais. Ils sont clairement plus intelligents que ce que je pensais. Voilà, dans ton cul. Vous êtes plus futés, mais je suis plus puissant. Désolé. On dit qu'une goutte de sagesse est mieux qu'un océan de puissance, mais moi j'ai une galaxie de puissance, donc votre goutte de sagesse n'est pas suffisante. Lui par contre, il a un bouclier. Non ! Non ! Non ! Putain de message ! Oh, le message qui m'a donné le réflexe d'appuyer sur B pour faire annuler, enlève-toi le message. Oh putain ! Non mais écoutez, on va pas être intelligent. Parce qu'être intelligent, c'est risqué. Donc, du coup, maintenant, dès que je vois que je peux aller à gauche, je pars tout de suite à gauche. Parce que tout au fond, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Oh, la grosse merde que je suis.
m'a tiré cette flèche depuis l'avant, comment elle peut être plantée comme ça? Ouais, c'est bon, ça passe. T'as ma life. Faut que j'arrête d'utiliser une fiole d'estus à la moindre occasion, en fait. Il faudrait que je les économise un peu. Merde. La marque est sur un des chevaliers. Bon bah. Quoi? D'où il venait ce coup? Il était mort? Tu te fous de ma gueule le jeu? Bon bah j'ai perdu mes âmes. Bordel, le mec, le machin était mort, il m'a quand même foutu un coup. Moi aussi j'aimerais bien que mes coups ils passent quand je meurs. Je chope ça où comme item? Connard de jeu qui triche, putain. Oui, pas tout le temps, hein, mec. Pas non plus poussé. Bon ben c'est bon, là je peux juste rusher jusqu'à la gauche vers l'autre chevalier. Pff, chier quoi. Crève. Mais non, mais c'était peut-être l'autre con qui m'avait foutu un coup de... Qui m'avait tiré dessus avec des flèches. C'est vrai qu'il avait des flèches, cette espèce d'enculé. Ouais, il a une arbalète. Oui, vu la puissance de l'arbalète, à tous les coups, c'était lui. En fait, c'était lui qui m'avait tué. Bon, ben, c'est sa faute, j'ai perdu toutes mes âmes. Ça me fait bien chier. Mais, une seconde, ça sert à quoi de monter ici? Toucher à tache de sang. Il n'y a pas de tache de sang, en fait. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Ah ben, il s'est fait pousser. Comme une grosse crotte. Ouais, du coup... Ben, je suis en train de me rendre compte que ça sert à rien de venir ici, c'est ça, le jeu? Ah, d'accord, je vois l'utilité de venir là-haut. C'est que ici? Oui, de toute évidence, ce n'est que ici. Bon, bah. Salut mon pote. Au revoir mon pote. Est-ce qu'il osera descendre? S'il te plaît, n'ose pas descendre. Pourquoi il y a Jabba de Hutt? Jabba, qu'est-ce que tu fous? Pourquoi il y a plusieurs Jabba? Où est Han Solo? Je demande à parler à Han Solo. Ou Leia au moins. Même si personnellement, je l'ai jamais trouvé sexy, même quand j'étais gamin. Mais c'est peut-être parce que j'étais gamin. Et dis-moi qu'il y a un feu maintenant, et là je comprends l'utilité de ce petit raccourci. Pourquoi il m'a pas encore attaqué, ce géant d'ailleurs? Jabba! Jabba! Alors, s'il a une lance, Jabba est plus résistant. D'où tu viens, toi? Sorti de mon cul alors que je regardais pas. Bon, il y en a un qui est pas mort là, dans le tas. Non, tout le monde est mort, tant mieux. Coucou.
Tu veux rien me faire? J'ai pas un anneau qui me permet genre de parler aux gens. À tous les coups, c'est ça en fait. Le truc n'est pas méchant. Il doit être... Ouais, il est certainement comme le scorpion dans le 2. Parce que le scorpion dans le 2, on peut le viser. Donc, il est techniquement méchant. Mais si t'as un anneau pour lui parler, tu te rends compte qu'en fait, il est gentil. Ça sent la salle de boss, on est d'accord. Vision de confort? Ah bah non, alors peut-être pas. Bah écoute, je propose. Et allons parler à ce gros tas de morve. J'ai la tenue de Kirk. Bonjour madame. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais votre animal de compagnie est un petit peu un truc dégueulasse, en fait. Qu'est-ce que... Vous pouvez faire un truc. J'ai pas compris. Bizarre. Ou alors, est-ce que c'est un morceau de vous? Non, de toute évidence, c'est votre animal de compagnie. Regardez bien mes trous. Ah, va te faire foutre. C'est pas vrai, on voit rien. Bon, vous parlez pas? Ouais, à tous les coups, là aussi, il faut un objet pour lui parler. Il y a trop de landau ici. Mais attends. Langue pâle. Je suis en train de me demander. C'est une langue. On est dans Dark Souls. Bonjour, voulez-vous cette langue? Non. Bon, bah je sais pas. Au revoir. Langue. Mais c'était écrit parler. Là, voilà. Oui. Phalange de Rosaria. J'ai obtenu la preuve du serment. Rélouer les attributs. Renaître exige un don de langue pâle. Vous pouvez renaître encore 5 fois au cours de cette vie. Le souhaitez-vous? Non. Modifier apparence. Carrément, tu peux modifier ton perso. Cadeau. Donc je pourrais ne plus être une femme à barbe, mais un homme à barbe. Ou un homme à un berbe aussi, c'est possible. Bah tiens, salut. So, you've chosen to serve Rosaria after all. She will be pleased with me for finding her another finger. But be warned, my friend. Rosaria's fingers need only fetch tongues for their mistress. Otherwise, we are free. Like Yellowfinger, you can choose to believe that all fingers share camaraderie. But do not force your romance upon the rest of us. Rosaria's fingers, otherwise you are free, but do not. Ok. Ah, c'est pour ça que vous êtes moche, vous êtes censé représenter des langues. Bah, vous êtes les langues les plus moches que j'ai jamais vues. Hein. Bon, bah, je me casse, hein, je suis pas obligé de vous tuer. Par contre, je ne sais pas combien d'âmes j'ai perdu, mais mon âme, la vie, c'est...
Y'a rien au plafond. Quel est ce bruit? Il vient de l'autre côté du mur, ok. Ou d'en bas peut-être. Il vient peut-être d'en dessous. Le mécanisme ne bouge pas. Maintenant il bouge ? Non. T'as pas l'air si bas, hein, mais je vais pas le faire. Allez voir, qu'est-ce qu'on a là ? Écoutez, comme j'ai dit, ça avait pas l'air si bas. J'ai toute ma vie. Let's go! Ça fait mal, hein? Je ressemble un peu à Kylo Ren. Bonjour. On m'a pas invité, mais je peux me joindre à la messe? Dis-moi que oui. Quelque chose me dit qu'ils sont pas contents que je vienne à la messe. C'est peut-être parce que je suis pas croyant. On arrête de prier. On arrête de prier, j'ai dit. On arrête de prier, toi aussi. Il y avait du feu. Monte, salon. Ah bah lui, il est monté. J'aurais jamais cru pouvoir faire prendre l'ascenseur à un ennemi. Mourir. Je respecte pas votre messe, les gars. Moi, je suis le genre de mec qui hurle dans une église, juste parce que j'adore le bruit de l'écho. D'ailleurs... Hey. Parfait. Coucou. Tu veux voir ma bite? Bah, il a l'air gentil, lui. Hein. Il bouge pas. Ah non, il semblerait qu'il bouge pas quand on est derrière lui. D'accord, maintenant il bouge. Maintenant il bouge. Vite, barre-toi. Avant qu'il détruise ce truc et que tu puisses pas remonter. Et bah, il s'est remis en place. Du coup, j'ai accès à lui de près. Je suis en train de me demander, est-ce que je peux pas le tuer? Genre depuis ici? Ah, il se recouche à chaque fois. Je devrais pouvoir réussir à le tuer, en fait, depuis ici. Enfin, en imaginant que je lui fasse des dégâts. Imaginons du coup que c'est possible de le tuer. Ok, on est d'accord, ça n'a absolument rien fait. Enfin... Si, j'ai fait des dégâts. J'ai fait des dégâts, donc je peux le tuer.
Ça saigne, donc ça peut mourir. On va te faire foutre, en fait. Eh, t'as écrasé la limace. C'est cool. Tu peux te remettre en place comme t'étais au début. Parce que comme t'étais au début, je pouvais te faire des dégâts sans problème. Bah, remarque, là, ça marche aussi. Non, ça marche pas, en fait. Pardon. Ah non. Wouh, calme-toi. Bon d'accord, je te laisse tranquille. Il y a trop de vie pour moi. Ma vie ça va. Mes astuces ça va. Retiens ça à deux mains, s'il te plaît. Allons voir ce qu'il y a de l'autre côté. Rien. Mur invisible ? Même pas. On doit bientôt y avoir le boss, là, non? Moi, je dis ça sent le boss. Un grand trône, en fait. Ou pas. Ça ressemble un peu à un trône. Ah, des marques d'invocation. Donc... Mais Horace? Wait, le PNJ? Bah, qu'est-ce qu'il fait là sans son pote? Horace le muet, ouais. Il est où ton pote, Horace? Il est là? Henry d'Astora. Oui, il est là, son pote. Ok. Ça prend du temps pour invoquer des PNJ. Ça va ma vie, ça va mes astuces. Ok, bon, on est parti. Hein. Ben, je vais le faire avec les deux PNJ. J'espère qu'ils sont aussi abusés que dans le 2, par contre. Enfin, genre abusés, mais pas tout autant en fait. Histoire qu'ils résistent un peu. Coucou les gars. C'est ça le boss? C'est celui qui brille. Ah d'accord, on va jouer à devine qui c'est. Vous pourriez au moins tous donner des âmes, les gars. C'est le gros, c'est le gros. C'est le gros. C'est qui maintenant? C'est le gros. Ah, il y a le pape. Il y a sa papauté, il y a sa papauté. Tuez le pape, tuez le pape. Enfin, c'est un diacre. C'est la même merde, de toute façon. C'est la religion, mais je m'en fous. Voilà. On a tué le Vatican, on va obtenir des milliards d'âmes. Parce que le Vatican est la banque la plus riche au monde. Milan, c'est de la merde. Ah mais oui, les Vatican, ils sont riches, ils sont pas généreux. Je suis con. C'est tout? Vous ne méritez pas ça. C'est quoi ça? Mais il bouge même pas. Mais c'est tout, il y avait que ça? Bon. Bah, ok. Pourquoi pas? Ben du coup, je fais quoi maintenant? Parce que... Il y a
y a quand même pas mal de trucs qui est... Ouais, non, j'ai quand même exploré à peu près tout, en fait. Hein. Je vois ce que j'ai pas exploré, donc je peux aller voir. Ne pas oublier qu'il y a encore le chevalier. Ah bah, il est pas là. Il a dû se trouver un coin où se caser en haut. Ah, what the fuck! Enculé! Il était juste bugué à un endroit. C'est bon. On est d'accord, je peux aller sur l'autre. Ou... pas. Non mais vomissez pas par terre, les gars. Ah mais en fait, ça sert à rien. C'est bon. Ben... je vais descendre tout en bas. Aller vers le géant qui maintenant est debout, je ne sais pour quelle raison. Et tenter de passer derrière lui pour ouvrir la porte. Je sais pas où ça mène. Peut-être limite essayer de tuer l'autre géant aussi. Ça peut être une idée. Ça peut être même une bonne idée. Alors il est où lui? Il est là. C'est mon pote. Je t'emmerde, Mokaus. Le freeze. Bon, pour l'instant, je n'ai pas crash, donc moi, tant que j'ai que des petits freeze à la con, je m'en fous. J'ai quelque chose à lui lancer à la gueule, j'ai ça. Hop. Prends ça, et ça, et ça. Et l'enculé, c'est régène sa vie. Baisse-toi en fait. Loupé. Rebaisse-toi. C'est pareil, je ne sais pas. Aïe! Saligo! Baisse-toi! Vas-y, tourne-toi! Attends, tu te baisses dans l'autre sens! Comme t'étais avant. Comme ça, je pouvais te taper le genou. Là, c'est bien. Là, maintenant, tu te baisses. Il est quasiment mort. J'espère que ça va bien me récompenser d'avoir complètement abusé de l'IA de ce boss. Enfin, de ce géant. Il est mort ? Non, toujours en vie. Mais quasiment mort.
Va te faire foutre le jeu. Non, mais maintenant je vais devoir comment. Doigt.